Pour cette quatrième session, on avait pour objectif de rédiger un article. Tout au long de la semaine, ils sont accompagnés d'une équipe de journalistes. Ils ont du lundi jusqu'au vendredi pour préparer le journal Premier Campus. Mes collègues et moi, on a choisi d'aborder le thème de la Coupe du Monde féminine 2019 de football. On a pu interviewer des supporters et des supportrices, aussi des joueuses, des jeunes joueuses de foot, qui ont donc donné leur avis sur la notoriété des femmes dans le foot. J'ai été élue rédactrice en chef. Donc, mon rôle, c'est d'aider mes camarades à avancer dans leur projet et à les aider en cas de problème. Les élèves de la deuxième cohorte vivent une expérience qui est plus orientée sur le concours oratoire. On prépare un concours final qui sera vendredi et on fera un débat donc en anglais. En anglais, j'appréhendais un peu le truc, mais avec les exercices, grâce aux ateliers de l'après-midi, on est plus à l'aise, c'est mieux, donc ça va. Bah hier, on a eu l'occasion de parler avec des professeurs, et il y a un professeur qui nous a dit qu'on faisait à peu près le temps d'un trimestre d'anglais en une semaine. Donc ça, c'est intense, mais c'est bien. Je pense que c'est le fait qu'on est plusieurs, du coup, c'est ça qui va nous aider à faire un bon débat. And today, I totally support this proposition because I want to live in the first vegetarian village of the UK. Children, make an example to live together. So we should stop using pesticides. Le but premier, je pense, de toutes les équipes qui ont travaillé et qui travaillent à Premier Campus, vise à aider les élèves à devenir autonomes. Il ne faut pas se brider, il faut toujours aller plus loin, il faut faire le truc, viser le plus haut possible, tout le temps. Ça, c'est important. Il nous a semblé tout à fait logique et pertinent de soutenir le programme Premier Campus à sa création en juillet 2017, de permettre de nourrir leur ambition et surtout de leur permettre d'ouvrir leur horizon vers des choix beaucoup plus multiples et différents aussi sur notamment des études supérieures. Et je vais faire de l'ingénierie soit dans le développement durable ou dans le génie civil en fait. Okay. Enfin, vraiment, je veux participer au monde extérieur. J'aimerais bien rentrer à Sciences Po. Depuis que je suis toute petite, je veux travailler donc dans la politique et voilà. Et continuer dans ce domaine-là. Je suis vraiment fier d'eux au sens où ils ont, je pense, pris la mesure de ce qui leur arrivait et ils en ont fait quelque chose d'intéressant à mon sens. Ils ont vraiment grandi, j'ai l'impression, tous, autant les uns que les autres. Et on voit les personnalités s'affirmer, tout ça, c'est formidable. Sciences Po.